Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. I tell you though, cause I'm feeling so good. Eh bien, salut les amis, c'est Creeper301, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est Apto Nickel. Donc aujourd'hui, on se trouve pour un tout nouveau live donc sur Blender. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, donc aujourd'hui, nous allons créer notre propre voiture simplement sur Blender. Donc sur la modélisation. Donc je vais faire une petite salutation comme d'habitude. Donc salut MyGamer, salut Noxamo, salut Cyanep, salut LifeMat. Donc je crois que t'es nouveau, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et Coco des ténèbres, c'est un peu le pseudo. Bonsoir à tous, donc vous pouvez me dire si le live il est fluide et si vous entendez bien ma voix, s'il vous plaît. Comme ça, après on pourra bien vous commencer. Salut Cyanepes. Du coup, on va commencer déjà, donc... Là, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de faire une base, donc simplement pour notre... Salut Skyair, salut Alpha Chrométrage, salut tout le monde. Oui, c'est fluide, oui, c'est parfait. Ok, bah aucun problème, on va commencer. Donc là, vous ne vous occupez pas de ça, c'est juste un décor que je voulais faire pour un rendu, mais c'est juste une autoroute. Donc, je vais retirer tout ça, et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons créer notre propre voiture. Genre. Salut Blaze, salut Loulou. Donc du coup, pour commencer, donc déjà vous pouvez penser que Blender c'est un peu n'importe quoi avec l'interface, donc j'ai juste supprimé les lumières parce que c'est pas gentil. Tac, et faut juste que je trouve les lumières. Non, ok, et ok, c'est bon. Donc, comme je disais, donc quand vous voyez l'interface de Blender, vous me dites c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc, je vais cocher sur le chat, vu que pour une fois qu'il y a beaucoup de gens. Je mets. Non, c'est bon, Sky. Wesh, canavèche, salut FA. Salut Thomas. Donc, pour commencer, déjà, donc normalement, quand vous allez lancer Blender, donc d'ailleurs, je vais voir un nouveau projet. Normalement vous aurez un truc, vous devez cliquer à côté tout simplement, et donc ça vous aurez directement un cube. Mais si vous n'avez pas de cube, vous cliquez sur, vous devez être déjà en object mode, vous cliquez sur add dans mesh et dans cube. Donc ça c'est juste pour les débutants, c'est simple. Sans blague.
Donc pour commencer, déjà on va créer la base de la voiture. Donc déjà vous allez lever le cube vu que là il passe à travers le menu. Donc vous appuyez sur G, Z et vous tapez sur la touche 1 tout simplement. Donc je remets comme ça, G, Z, 1 pour le lever précisément, on va dire. Ensuite vous allez soit vous appuyez sur S et vous choisissez les axes que vous voulez scroll, soit vous pouvez simplement cliquer juste ici pour scroll avec les flèches. Vous allez faire une surface assez plate en fait. C'est un objet mode 1. Je vais faire des tutos à me dire. On appuie sur tab pour être. Mais t'inquiète, je vais expliquer tout ça aussi dans le tutoriel, c'est juste au début là. Donc vous allez faire une surface assez plate, on va dire comme ça c'est bien. Ensuite vous allez la baisser. Et vous allez l'agrandir. Donc ça, la longueur, ça va être la taille de votre voiture. Donc c'est comme ça devrait être bien. Tac, je vais continuer à baisser comme ça. Donc là, tac. Vous avez la base de votre voiture. Donc maintenant, on va passer en edit mode. Donc vous pouvez appuyer sur tab. Ou alors, vous pouvez faire contrôle tab pour choisir votre mode. Donc edit mode. Ensuite, quand vous êtes au-dessus, ça vous donne ça. Donc tout d'abord, pour plus de facilité, vous allez faire CTRL R et vous allez pointer votre curseur sur la hauteur, on va dire. Et ça va vous mettre une petite section en jaune. Vous allez faire clic gauche et deux fois clic gauche en fait. Du coup, ça va vous donner ça. Ensuite, vous allez mettre dans cette position. Vous allez cliquer juste ici pour mettre en transparent. Vous allez sélectionner la partie de gauche. Trop beau. Bah, ça n'a rien du tout pour mon temps. Ensuite, vous allez faire X. Vous allez cliquer sur Face. Donc là, ça va retirer cette partie. Ensuite, vous allez aller dans la petite clé à molette. Enfin, je crois. Ici. Ensuite, dans Ajouter une modification. Vous allez dans Generate et vous mettez Miroir. Et donc, je sais pas si ça a marché. Vous avez sélectionné tous les axes. Voilà. Si vous voulez les sélectionner, donc on va recommencer. Donc, vous allez ajouter un miroir. Normalement, il y aura, soit vous aurez tous les axes sélectionnés. Vous voulez que je ralentisse? Ouais, je sais. Vous voulez que je reprenne à partir d'où? Ok. Bien, on va recommencer depuis le début, ça ira plus vite. Je pense qu'il va mettre la rediff en vidéo. Enfin, j'espère. Ouais, t'inquiète. Donc, on va recommencer depuis le début au pire. Enfin, on va retourner au moment où vous allez scroll votre petit cube, en fait. Tac. Donc là, on va recommencer à partir de là. Donc, là, vous allez avoir votre cube. Et donc, on va falloir le diviser en deux. Prends ton temps à chaque explication. Certains n'arrivent pas à suivre. Moi, je suis encore... Je pourrais expliquer à moi. Donc, on va comprendre à partir de là. Donc, là, vous allez avoir votre cube. Et du coup, il va falloir le diviser en deux pour pouvoir faire ce qu'on appelle un mode miroir, en fait. Et du coup, le mode miroir, ça va vous permettre de, par exemple, si je bouge cet axe, ça va bouger aussi celui à l'axe opposé. Donc, ça va vous permettre de faire quelque chose de symétrique et de gagner beaucoup de temps au lieu d'à chaque fois changer ça et de à chaque fois refaire la même chose, en fait. Donc, vous allez vous mettre... en face du cube, donc le code doit être plat. Vous allez passer en edit mode, donc vous êtes en edit mode, vous appuyez sur tab, là vous êtes en edit mode. Ensuite vous faites CTRL R pour ajouter une édition, on va dire. Donc là, ça va vous ajouter des points en fait. Donc là vous ne bougez pas votre souris et vous refaites clic gauche. Donc si vous avez peur, vous pouvez simplement faire CTRL R et deux fois clic gauche. Et du coup ça va vous diviser votre cube en deux en fait. Est-ce que vous arrivez à suivre déjà là? Comme ça, on va pouvoir avancer et on va attendre que tout le monde soit ok, ok. Ah, parce que sinon, pour le. Ok, donc c'est moi qui dis oui. S'il n'y a pas d'autre réponse, je vais continuer au pire. Donc là, vous avez votre cube qui a été divisé en deux. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est de tout simplement comment faire pour que si je bouge ce point,
Donc le point opposé à celui-ci, donc par rapport à cette, magnifique symétrie, va faire des cases symétriques. Donc si ce point bouge, bah, celui-ci va bouger aussi. Et dans les mêmes mesures en fait. Donc vous allez vous mettre de sorte à être avoir comme un téléphone par exemple. Là vous avez la face, vous allez mettre à l'endroit où il y a la charge, on va dire. On va utiliser cette métaphore. Donc ensuite vous allez cliquer sur le toggle X-ray, tout simplement pour voir en transparent. Par exemple, si je ne l'avais pas activé, j'aurais dû faire tac, toujours sélectionner tous les points en fait. Et pour gagner du temps, en fait, vous allez juste cliquer sur le petit X-ray et vous allez sélectionner la partie de gauche. Comme ça va la sélectionner plus rapidement. Ensuite, quand vous avez sélectionné cette partie, vous avez appuyé sur X donc pour supprimer et vous avez cliqué sur Face donc pour supprimer la face. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Là, vous vous dites, mais Creeper, mais pourquoi tu fais ça? C'est complètement débile. Mais en fait, vous allez simplement ajouter une propriété, on va dire, pour faire en sorte que le cube, il bouge en symétrie. Enfin, que ça fasse une symétrie. Donc, vous allez, si vous n'avez pas besoin d'autre mode, vous allez dans la clé à molette. Vous devez bien vérifier que dans la partie avec tous vos objets, ce soit bien le cube qui soit sélectionné. Ouais. Qu'est-ce que t'as pas compris, donc ça vous. Donc vous avez bien sélectionné votre cube. Vous allez dans les propriétés, donc la petite clé à molette. À molette. Ensuite, vous avez un petit add modifier. Donc là, normalement, vous aurez rien du tout dans votre cube. Donc vous cliquez sur add, vous allez avoir plein de trucs, vous allez être perdu. Et vous allez juste chercher le mode miroir, en fait. Et du coup, ça va vous permettre de faire une symétrie. Avec le X-ray. En fait, le X-ray, c'est rien de très spécial, c'est juste pour voir à travers. Par exemple, là, quand je mets comme ça, je vois pas la partie qui est ici, pour la sélectionner. Et du coup, quand je l'active, eh ben, je peux la voir. J'espère que t'as compris. Ok. Bah sinon, je retourne en arrière. Ouais, mais c'est... Mais après, tu fais comme tu veux, mais c'est juste pour gagner du temps, tu vois. Donc du coup, après, quand vous avez mis votre propriété de mémoire, vous allez dire, oh, trop bien, ça va marcher. Sauf qu'il vous faut que vous fassiez une dernière petite modif. Donc là, il y a marqué les axes, donc les axes. Vous allez tout sélectionner. Et du coup, ça va vous permettre de faire quelque chose comme ça. Oh, t'as un petit problème, juste ça. Wait a minute. Un truc bizarre. J'ai un petit problème technique. Moi j'ai un problème, c'est quoi ce truc? C'est ils sont en bas et à droite. Non, au pire, on va galérer. On va retirer le truc des miroirs et on va faire. Attends, je suis vraiment le bordel. Attendez, je vais juste faire un test. Voyons. Oui, c'est la galère. Non, au pire, on va galérer. Je sais pas pourquoi ça veut pas marcher. Donc, on va recommencer depuis le début. Donc, vous allez avoir un cube. Donc, on va le relever encore une fois. On va le scroll pour faire une face plate. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Donc là, vous avez la base de votre voiture, en fait. Donc ça va être le bas. Donc ici, vous aurez l'avant, l'arrière, portière droite et portière gauche. Ensuite, donc, vous allez refaire la même chose
Enfin, vous allez, on va passer en edit mode. Ctrl R comme d'habitude, voilà. Vous allez avoir ce petit truc. Non, on va pas le faire. Là, vous allez avoir votre petit truc. Mais on va faire tout simplement le haut de la voiture. Donc, vous allez passer au-dessus. Vous allez faire Ctrl R. Vous allez encore pointer vers le haut. Donc, comme ça, vous faire une ligne en jaune, en fait. Donc, vous faites clic gauche. Et là, vous allez pouvoir bouger cette ligne. Et donc là, vous allez tout simplement délimiter l'avant et l'arrière. Et vous allez tout simplement faire, comment dire, l'endroit où il y aura la voiture qui, le toit de la voiture, en fait. Donc, si je mets comme ça, et ben, l'arrière sera toute cette partie, en fait. Donc, on va faire comme ça, ça devrait être bien. Et on va refaire CTRL R pour délimiter l'autre partie. Donc, on va faire l'avant qui fait cette taille. Donc là, vous allez avoir un petit truc comme ça. Ensuite, donc, comment faire la partie au-dessus pour la lever. Donc, en fait, dans le Edit Mode, vous avez plusieurs modes de sélection. Donc là, vous avez celui-ci, donc vous sélectionnez les points à chaque fois, en fait. Celui-ci, vous sélectionnez les lignes, en fait. Et celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci où vous allez directement sélectionner les faces. Donc quand vous cliquez, ça sélectionne la face que vous avez faite, en fait. Donc, en fait, il faut bien vérifier que vous auriez une forme fermée, en fait. Donc là, il faut bien que ce soit fermé. Et que la partie soit coloriée en orange, du coup, pour que ça marche, en fait. Donc on va sélectionner cette partie. Et on va faire ce qu'on appelle extruder. Donc extruder, qu'est-ce que c'est? Donc c'est simplement faire ça. Donc tout simplement extruder. Donc pour faire le toit, donc vous allez extrude, et pour plus de précision vous allez appuyer sur Z, et du coup ça va extrude en hauteur. Et là vous allez comment dire, vous allez faire la hauteur de votre voiture. Donc comme ça, ça me paraît bien. Vous pouvez tout simplement faire G Z et G Z et 1. Voilà, c'est largement suffisant. Et après, pour faire pour que ça forme une sorte de triangle, vous appuyez sur S pour scroll la face du haut, et vous avez la scroll. Tac. Et du coup, là, vous allez avoir la base de votre voiture. Donc, ça donne comme ça. Là, vous aurez l'arrière, et ici, vous aurez l'avant, avec les phares et tout ça. Donc, ensuite, pour créer les fenêtres, donc, vous allez sélectionner la face, sélectionner toutes les faces, d'ailleurs. Les faces où il y aura des fenêtres. Donc ici il y aura une fenêtre, ici une fenêtre, ici une fenêtre, et ici une fenêtre. Et au-dessus, du coup, il n'y aura pas de fenêtre, bien évidemment. Donc vous allez faire CTRL R, ou comme d'habitude, vous attendez qu'il y ait le petit trait jaune. Et là, vous allez glisser pour que ça fasse quelque chose, que vous faites la forme de la fenêtre, en fait. Donc là, ça veut dire que cette partie, ce sera de la voiture, en fait. Et tout ce qu'il y aura au centre, ce sera une vitre. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Tac. Et maintenant, pour délimiter la hauteur, enfin pour faire un carré, quoi, ou un rectangle, ça dépend. Donc vous faites encore CTRL R, mais vous allez aller dans l'autre axe. Donc soit vous faites en hauteur, enfin en horizontal ou en vertical. Donc vous mettez en vertical, vous faites la hauteur. Tac, comme ça c'est suffisant. Et une deuxième fois, celle du bas. Tac. Et du coup, ça va faire la même chose de l'autre côté. Mais du coup, il faut faire aussi l'avant. Donc, CTRL R. Là, vous mettez vertical. Tac. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous aurez tout simplement les zones que vous pourrez extruder. Donc, il faut faire aussi. Non, ça, laissez tomber. J'avais pas vu qu'il y avait un trait jaune. Orange plutôt. Donc là, vous allez avoir la base des vitres. Donc pour faire les vitres, donc ça va être très simple. On va tout simplement faire comme on a fait pour le toit de la voiture. Donc vous sélectionnez la partie pour sélectionner les cubes. Et vous allez l'extruder. Donc vous appuyez sur E, X, enfin Y, pardon. Et vous allez extruder comme vous voulez. Comme ça, c'est suffisant. Et comme le miroir ne marche pas, vous allez simplement, quand vous allez extrude, il y aura un petit message qui va s'afficher en bas à gauche de votre au-dessus de votre timeline. Donc il y a ce petit truc, mais on ne va pas l'utiliser. Donc vous allez cliquer gauche dessus, et là vous allez avoir plein d'infos, enfin quelques infos. Et vous allez prendre l'axe qui a été modifié, donc autre que 0. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez faire CTRL C pour copier.
Ensuite, vous allez sélectionner l'autre partie. Donc, c'est tout simplement pour que la profondeur, on va dire, des vides soit égale. Donc, vous faites E, Y. Là, vous ne vous extrudez pas, vous appuyez juste sur clic gauche. Et ensuite, vous allez clic gauche sur le Y. Et vous allez faire CTRL V. Donc là, il y a un truc qui est très important à savoir, c'est que si je laisse comme ça, bah, ça va extruder en avant. Donc du coup, si votre valeur est positive, et bah, pour l'autre côté, vous devrez la mettre en négatif. Donc à l'occurrence, mettre un moins. Tac. Et si par exemple votre valeur est négative de l'autre côté, vous mettez en positif de l'autre. Et du coup, là, ça fait quelque chose de fort sympathique qui est de la même profondeur. Et vous faites la même chose pour les vitres avant et arrière. Donc, extrude. X cette fois, parce que c'est pas le même axe. Faites clic gauche. Et vous bougez move X du coup. Tac. Vous regardez si ça avance ou si ça recule. Si ça avance comme dans ce cas précis, vous mettez en négatif. Tac. Et du coup, pour derrière, vous devrez mettre en positif. Donc, E, X, clic gauche, move X. Tac. Donc là, on laisse en positif et entrée. N'hésitez pas à poser vos questions et si je dois respirer quelque chose dans le chat, hein, je suis là pour ça. Et donc, du coup, ça vous donne quelque chose de sympathique. Tac. Maintenant, pour faire tout simplement une forme incurvée, on va dire, à la voiture, tout simplement, pour faire l'avant, en fait, vous allez tout simplement. Donc là, vous étiez en mode pour sélectionner des faces. Donc vous allez sélectionner la partie pour sélectionner les petits points, donc le premier. Ensuite, vous allez vous mettre en face et vous allez tout simplement sélectionner les coins. Vous allez appuyer sur G, donc pour move, pour bouger en fait. Du coup, vous allez pouvoir bouger les coins. Vous pouvez sélectionner les deux pour plus de précision, on va dire. Tac, ou sélectionner un coin. Moi, personnellement, je sélectionne trois coins. Tac, je fais G. Ça donne, je fais quelque chose comme ça. Tac. Donc ensuite, vu que le miroir, comme je l'ai dit, ne marche pas pour moi, vous pouvez simplement copier vos valeurs. Donc moi, c'est ce que je vais faire sur un bloc-notes MDR. Truc avec le talent. Mais sinon, Sky, si t'es là, j'espère. Si tu veux faire publier quelque chose, tu peux dire, tu peux faire une petite explication de ma chaîne au nouveau et inciter à l'abonnement MDR. En attendant que j'écrive dans mon bloc-notes. Oui, je suis présent. Okay. Donc, tac. Nouvelle note. Et on va écrire. Oh, ça fait beaucoup de zéros. Moins 0.000122. Deux. Tac. Moins 0.033. Mais de votre côté, normalement, le miroir devrait marcher. Parce que là, je vais galérer. 0.011. Ok. Tac, on va sélectionner les points juste ici. On appuie sur G. Et on va copier tout simplement ce que j'ai écrit. Donc, 0.000122. X. 0.033 et Z 0.011. Tac. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Et n'oubliez pas que si un côté est positif, l'autre doit être négatif. Donc là, on va sélectionner ce petit point qu'on va changer et qu'on va baisser en fait. Alors, tac, G et Z. Là, vous pouvez baisser les deux en même temps. Tac, et on va faire la même chose pour ceux du bas. Tac, voilà, comme ça vous avez l'avant de votre voiture en fait. Et du coup, vous pouvez faire la même chose avec l'arrière. Moi, je vais faire les mêmes positions que celle de devant, comme ça, ce sera un truc fort sympathique. Tac. Moins 0.000122 moins 0.033
moins 0.011 tac, et ici pareil, comme ça c'est mieux, tac tac, j'ai 0.000122 0.033 0.011. Ouais, quelque chose de pas logique, mais bon. Tac. Et la même chose pour ceux du Bayou. GZ. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça en fait. On dirait plus un bateau pour le moment, mais vous inquiétez pas. Donc maintenant, on va pouvoir, vu que là la partie elle est un peu plate, donc on va un peu scotcher cette partie. Donc on va sélectionner la partie pour les faces. Vous allez sélectionner tout ce qui est en dessous en fait. Tout ce qui est en dessous de la voiture en fait. Tac. Et du coup vous allez extrude en Z. Enfin plus, si je fais G. Ouais, G, plutôt G. G, Z. Et vous avez GZ 1, enfin, moins 1. Non. 0.5. Non. 0.25. Voilà. Vous faites, donc je vais refaire depuis le début. Donc vous sélectionnez toute la face du bas. Vous appuyez sur G, Z. Et vous tapez 0.25. Bon. Oh. Enfin, moins 0.25, pardon. Donc là, on descend dans les négatifs. Donc là, vous allez avoir simplement votre voiture. Là, cette partie. Donc maintenant, on va créer... On va pas faire les roues, mais on va créer l'endroit où va être les roues, en fait. Donc j'espère que vous avez compris. Donc vous faites, comme d'habitude, CTRL R. Là, vous attendez que votre face se sélectionne. Tac. Et aussi, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez faire CTRL R. Et si vous voulez en mettre deux, et ben vous avez juste à scroller en arrière. Et tac, vous en avez deux. C'est magique. Donc on va faire les roues à peu près là, ça devrait être bon. Et les roues arrière. Mais ben, ce n'est pas encore abonné. Abonnez-vous, il fait du super contenu. Ok, bah ça passe. Merci Sky. Je sais pas si il a l'air de nouveau à bois à fonctionner, vu que y a... là j'en ai un 162, j'en avais 161 tout à l'heure. Enfin, avant le live. Tac, et on va bouger cette partie. Comme ça. Donc si vous voulez, si vous trouvez que c'est mal fait ce que vous avez fait, donc vous pouvez bouger une ligne en sélectionnant bien la partie pour sélectionner les traits. Vous appuyez sur G et l'axe. Parce, là ça vous, vous pensez qu'il y a un truc qui change, mais c'est juste. Bon, si vous bougez comme n'importe quoi, ça... Attendez, je vais reprendre mon truc. Donc si vous bougez comme un malade, en fait, faut pas que vous sortiez de votre zone de confort, on va dire. Donc là, si. Tac. Si votre trait il sort de ce trait-ci et ce trait-là, bah il va être bugué. Enfin, il va, ça va bouger en fait votre texture, mais tant que vous êtes entre, bah ça marche. Tac, et on va faire comme ça. Et comme d'habitude, vous faites la partie latérale, on va dire. Tac, et cette partie comme ça. Donc du coup, on est peut-être un peu grand. Ok, comme ça, ça devrait être bon. Ensuite, vous allez donc cliquer sur le truc pour sélectionner les faces. Tac, vous sélectionnez les faces où il y aura les roues en fait. Donc, normalement, ça a fait la même chose de l'autre côté. Sauf que vous n'avez pas les sélectionnées pour le moment. Et vous sélectionnez aussi celle du bas parce que sinon ça va être buggy en fait. Tac, et ensuite vous appuyez sur extrude dans l'axe Y. Et tac, vous extrudez. Et si vous. Non, c'est vous. Extrude et Y. Voilà, ça, ça devrait être bon. Ensuite, tac, tac, tac. Et j'ai oublié d'enregistrer le truc. Extrême Y. Comme ça. Donc, vous enregistrez votre chiffre. Donc, là, il est négatif.
Donc de l'autre côté, vous vous en doutez, ce sera en positif. Tac. 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 Extrude X. En positif, du coup. Tac. Non, mauvais axe. C'est bien Y, oui. Un extrait, tac et tac. Voilà. Ok, pardon, je me suis trompé. Laissez en négatif quand c'est extrudé vers l'avant, l'arrière plutôt. Donc tac. Là, vous avez votre base de votre petit trou en fait. Et du coup, je vais aussi vous apprendre à faire les liens de parenté comme on peut l'appeler dans le jargon. Donc pour que tout simplement, si je bouge cette voiture, les roues bougent ensemble parce qu'on va pas, on va faire des roues en cylindrique, parce que si on les fait en cube, c'est fait un peu bizarre. Donc maintenant, on va s'occuper de l'avant. Donc pour l'avant, donc comme vous l'avez vu dans le rig, et bien tout simplement, ça vous fait une petite barre en fait. Donc vous allez faire Tab pour passer en Edit Mode. Vous allez faire Ctrl R comme d'habitude. Et du coup, c'est en latéral. Vous faites clic gauche. Vous levez. Et tac, ça vous fait une première barre. Et on va faire la même chose pour les deux autres. Tac. Tac, et on va bouger cette ligne là. Tac, et celle-là aussi. Ok, mais du coup, ça va vous faire une première barre. Donc, vous sélectionnez pour sélectionner les cubes. Tac. Et ensuite, vous faites extrude, donc dans l'axe X, pardon. Vous extrudez légèrement, pas la peine d'extruder comme ça. Donc comme ça, ça suffit. Et vous allez faire aussi celle du bas. Donc on repasse CTRL R latéral, si ça va bien. Tac. Et tac. Donc on sélectionne ça et on extrude vers l'avant. Celle-ci, je vais la faire un peu plus lointaine que la première parce que c'est celle qui est le plus vers le bas. Donc ça vous donne un petit truc comme ça. Ensuite, donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Comme ça, ça me fait un truc à lire. Donc maintenant, on va faire tout simplement les phares. Donc pour les phares, donc, vous faites Tab. Et du coup, les phares, ils vont être dans les coins. Donc ici et ici. Donc déjà, vous pouvez faire extruder en avant. Donc, attendez, je vais faire un test. Vous pouvez déjà scroll, donc vous appuyez sur S, vous scrollez en général et ça vous fait une petite forme si vous voulez. Et ensuite vous allez les extruder en l'axe X. Tac, et ça vous fait un petit truc. Et si vous voulez faire en plus en avant, donc vous enregistrez. Non, pardon, je vais un peu plus trop vite. Donc quand vous avez extrudé vos phares et que vous voulez faire une autre partie juste ici, donc pas tout le cube mais juste la moitié, donc vous allez faire. Vous allez copier le move X, donc CTRL C. Ensuite, vous allez donc spliff, on va dire, cette partie. Vous allez faire l'autre partie cubique de votre rétro. Tac. Et tac, on va faire un truc comme ça. Et vous faites la même chose, vous extrudez dans l'axe X. Voilà. Et du coup, ça vous fait des petits phares. Donc, en solid mode, ça vous donne quelque chose de bizarre. Parce que c'est le solid mode, en fait, il n'y a pas encore de couleur, en fait. Donc, là, vous avez votre voiture avec l'avant. Et l'arrière, vous pouvez faire quelque chose. Donc, par exemple, une plaque d'immatriculation. Vous allez en edit mode. Vous sélectionnez la partie avec votre plaque. Donc, ça tombe bien, celle-ci, elle me plaît. Peut-être allonger un petit peu. Tac. Donc on sélectionne ces trois petits trucs, ces trois petits cubes, et on va extruder en arrière. Tac. Et du coup, si vous voulez nous amuser, vous pouvez ajouter un texte ou une texture avec une plaque d'immatriculation. Donc tac, ça vous donne ça. Et pourquoi pas essayer de faire un coffre, même si j'ai pas encore testé, je vais pas vous cacher. Donc tac. Tac, tac. Enfin, tac tac, et vous allez extruder. Donc, sélectionnez cette partie du dessus. Donc, vous sélectionnez la partie de devant et de dessus de votre coffre. Vous allez extruder en avant.
enfin pas cette partie. Extruder dans l'axe X, donc j'ai X, enfin extrude X. Waouh, je peux parler. J'ai I, EX, pardon. Tac. Et j'ai Z. Là, vous allez monter vers l'avant. Là, ça fait plus un néon. Extrude Z. Tac. Vous allez copier l'axe Z. Et vous allez faire l'arrière du coffre. Donc, cette partie-là. Tac. Et cette partie que j'avais pas vue. Extrude Z, clic gauche, Z, et voilà, vous avez un petit coffre des familles. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une voiture, et comme elle est dans le titre, c'est une voiture style cartoon. Mais c'est pas vraiment une voiture réaliste, mais si vous voulez faire des voitures réalistes, il y a des très bons tutos, je suis sûr, surtout sur Blender. Donc n'hésitez pas à checker. Donc maintenant que vous avez votre petite voiture, donc on va tout simplement la colorer. Enfin non, qu'est-ce que je raconte? On va ajouter les roues, pardon. Donc pour les roues, vous allez tout simplement retourner en pause mode. Donc vous étiez en edit mode, vous appuyez sur tab, ou vous allez sur contrôle tab et vous allez dans object mode. Vous faites add mesh, vous choisissez le cylindre. Donc là, votre cylindre, ça va être vos roues en fait. Un cylindre gagne une roue. Donc vous allez appuyer sur R, donc pour rotation. Et vous allez sur Z, donc R plus Z, vous allez taper 90. Non, on fait ça. R, Y et 90. Ok, elle est bien. R, X, pardon, on va le trouver. R plus X et vous tapez 90. Voilà, comme ça, votre roue, elle sera bien face, enfin, dans bonne position. Donc ensuite, vous allez la scroll, donc soit X, wow, S plus Y. Donc moi je vais faire ça, soit vous utilisez les flèches tout simplement. Et on va scroll en général, donc vous appuyez juste sur S, vous allez faire la forme de la roue. Et vous allez la placer tout simplement à l'endroit où il y aura tout simplement votre petite voiture. Tac, G, Y, 1. Et GZ, 1, 0.5. Tac. Tac, on la bouge, donc GZ, GX, et vous pouvez encore la scroller, c'est un nouveau verbe. Tac, vous pouvez encore la rétrécir, parce que là elle passe un peu à travers, mais bon, moi je vais laisser comme ça. Mais vous aurez l'occasion de faire plus propre chez vous. Et du coup, là, on va la dupliquer, donc CTRL-C, CTRL-V. Vous allez sélectionner, donc là il y aura un nouvel objet, donc cylindre 0. 0,1, donc c'est un deuxième cylindre. Vous allez appuyer sur G, Y et vous allez mettre à moins 2. De 2, oui, non. G, Y, moins 2 et demi. G, Y, moins 3, moins 1. 2.4 1 2. Ok, ça va être bien comme ça. Non, on va un peu décaler, parce que là c'est bon. Ouais, ça passe. Tac. Voilà, du coup là vous avez vos roues avant. Et donc du coup là on va faire, donc là je vais mettre avant. Avant du coup gauche. Donc la roue gauche. Et avant droite. Tac, donc là vous avez vos deux cylindres. Donc là on va les dupliquer. Donc vous sélectionnez les deux et vous faites CTRL-C, CTRL-V et vous faites G X moins 3. Non, moins 2.2. Non, 2.5. Non, 2.7. Voilà, wow. Tac. Ok, donc vous ajustez. Et du coup, de l'autre côté, ça devrait être bon aussi. Ok, donc là, c'est parfait. Donc là, vous avez votre voiture. Donc on va renommer cela par... On va supprimer ça. Et on va mettre arrière.
Arrière. Tac. Et donc maintenant, on va juste, avant de faire le coloriage, tout simplement, comment on va appeler ça, faire les liens de parenté entre chaque roue. Donc on va simplement ajouter. Comment? Ouais, on va faire ça. Donc vous allez ajouter un armature. Vous pouvez simplement aller dans Empty et mettre une image si vous avez quelque chose de custom. Donc armature. Donc vous mettez la zone que vous voulez bouger. Donc moi, si je mets les roues, on va commencer par les roues avant. Donc rotation, rotation Y 90, GZ, tac. Vous allez faire clic droit, parent et vous mettre bone. Ensuite, vous allez sélectionner donc les roues avant. Vous allez faire clic droit, parent, object. Et après, vous allez sélectionner donc les deux roues et le squelette, donc l'armature. Vous allez faire parent object ici. Mince, y a un problème. Okay. Parent, voilà. Donc là, si je bouge ce bones, donc ça va simplement bouger les deux roues. Tac. Ensuite, on va faire la même chose pour les roues arrière. Donc armature, rotation Y moins 90. X, G, Z. Tac. Donc. Vous pouvez aussi remettre, du coup, là, ça va être roue avant. Et donc, pour la partie des deux roues, vous avez sélectionné deux, parent, object. Donc, vous faites la même chose que celle d'avant. Donc, parent, bone. Tac. Où elle est où l'autre? Tac. Pourquoi il y a arrière droite ici? Parent, clear, parent. Ok, là c'est bon. Tac, parent, object. Array. Oh, mais c'est vraiment un problème le truc qui se met en arrière. Clear. Tac, tac, object. Et du coup là ça va bouger les roues avant. Donc roue arrière. Tac. On va créer un nouveau armature pour bouger toutes les roues. Si en fait c'est juste pour le fun on va dire. On va le mettre ici. Tac. Armature. Parent. Bone. Sélectionner les deux. Et celui-là, parent object. Voilà, donc si vous bougez ça, ça bouge ça. Si vous bougez ça bouge les roues avant. Et là, hop. Juste pour faire ça, après on va paramétrer les roues, chacune des roues. Mais là, on va simplement faire le coloriage. Donc vous allez sélectionner votre cube. Donc on va mettre base voiture. Donc vous allez faire. En fait, vous allez juste aller dans Edit Mode. Et là, vous allez simplement créer votre. Couleur de base de votre voiture. Donc vous allez tous sélectionner tous les cubes, vous allez cliquer sur A. Donc pour tout sélectionner, ça va pas sélectionner les cylindres parce qu'ils font pas partie de la voiture, mais on verra ça après. Donc vous allez cliquer, donc quand je récapitule, donc vous allez colorier, donc vous allez faire Tab A et on va tout simplement colorier toute cette partie par la couleur de base. Donc quand vous avez tout sélectionné, vous allez dans ce petit truc, donc pour les textures. Donc vous aurez ça, vous allez cliquer sur New. Là, vous allez mettre par exemple basic couleur. Bah, j'écris en anglais pire. Basic color. Et on va la mettre par exemple en rouge, par exemple. Et là, si je vais tout simplement. Là, vu qu'il n'y a pas de texture, ça va directement la mettre en rouge. Et du coup, si je vais dans le matériel mode, c'est matériel mode. Material preview. Vous allez voir que la voiture, elle est rouge. Donc vous allez rester, si vous voulez, vous pourrez rester en ce mode pour voir vos résultats. Mais si vous laguez un peu trop, je vous conseille d'aller dans Solid Mode. Donc ensuite, on va colorier tout simplement les vitres. Donc vous allez sélectionner toutes les vitres. Tac. Tac. Et tac. Et donc pour ajouter une nouvelle couleur, donc c'est tout aussi simple que ça, vous allez appuyer sur le plus, donc dans la partie des textures.
cliquez sur New. Et on va. Là, les noms, c'est pas obligé, mais moi, je vous les conseille pour vous repérer. Et on va mettre donc noir. Ou black. Voilà. Et vous allez tout simplement aller dans Base Color. Vous occupez pas le reste. Mais si vous voulez mettre en métallique, je vais mettre à fond pour voir ce que ça donne. Et que vous mettez en noir. Et vous mettez un sign, donc pour assigner. Et que vous allez dans Matériel. Tac. Ça vous donne un petit effet fort sympathique. Ensuite, donc pour. Là, on va faire ça un peu partout. Donc, pour les petits cubes de devant, tac, on va les sélectionner. Tac. Et tac, on va ajouter une couleur. Tac, comme d'habitude. Tac, on va mettre un gris. Donc, pour le gris, vous allez juste à laisser en blanc et vous allez baisser la clarté, on va dire. Tac, comme ça, gris clair, ça me va. Assign, si j'y vais, ça vous met une petite preview. Enfin, vous avez ceci, vous pouvez faire la plaque aussi en mettre en gris. Tac, tac, tac. Hop, 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 on met en gris. Et après, bah, vous pouvez faire les rétros du coup, donc. C'est par cette partie là, on va la mettre en noir. Donc on va mettre black. Donc on met en black. J'ai oublié de sélectionner la partie du bas. Donc on met en noir. Ensuite, on va faire pour faire des effets en clair. Donc, vous sélectionnez la partie avec donc qui va être éclairée. Tac. Et vous allez simplement ajouter une texture. Cliquez sur New. Vous devez aller dans changer base color, juste un petit bouton à côté, vous cliquez dessus. Mettez en brain contrast, vous mettez brain par exemple à 20 ou 35, même ça devrait aller, et vous changez la couleur. Donc, moi je vais mettre en jaune, tac, et vous faites un sign, donc glow, et donc du coup ça vous donne ça, ça vous fait un petit truc fort sympathique. Donc, si mes couleurs on met en jaune. Tac. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous dire de faire un truc, du coup les rétros. Donc pour rétro, c'est simple, vous allez extruder dans l'axe Y. Donc on va copier ça. On fait la même chose de l'autre côté. En négatif. Et vous allez tout simplement lever les deux. Donc sélectionnez les deux. Vous faites GZ. Tac, et ça vous fait un petit truc pour sympathique. Vous pouvez sélectionner aussi ceux du bas. Extrude Z. Et ensuite, on va déplacer X. Comme ça, ça paraît bien. Tac, et la même chose de l'autre côté. En négatif. Voilà. Et ça vous donne un petit truc comme ça. Donc on va, normalement ça va les amis en rouge, donc là cette partie là et la partie de l'autre côté va être en gris, pourquoi pas, et le reste du rétro on va le mettre en noir. Ok. Tac. Parce que je me suis ok, on met en noir du coup, et ça vous fait un petit truc comme ça. Donc maintenant qu'on a à peu près tout colorié, je crois, et puis on va juste faire un petit truc comme ça, on va ajouter, mettre bleu, ça fait un petit truc. Et c'est du coup là, vous avez fini la base de la voiture, et maintenant
faut que vous fassiez en sorte que quand c'est à la base de la voiture bouge, les roues bougent aussi. Donc on va faire comme la dernière fois. Donc vous allez ajouter une armature. Tac. Rotation Y. Tac, comme ça, ça me paraît bien. Et on va l'assembler avec la base de la voiture. Donc, cliquez sur la base de la voiture. Clic droit, Parent, Object. Clic droit, Parent, Bone. Vous sélectionnez la base et après le bone. Donc, c'est très important. Et Parent, Object. Si je bouge du coup le bone, ça bouge aussi la voiture. Donc là, vous pouvez voir, si je bouge la voiture, ça bouge pas le bone. Donc, tac. Et après, vous devez simplement faire en sorte que... Donc, on va créer... voiture ring. Vous allez faire en sorte que si cette armature... Enfin, vous allez faire que cette armature soit en parenté avec cette armature, en fait. Enfin, à l'inverse, plutôt. Donc, les deux sont faits. Tac. Donc, tac, tac. Parent. Object. Et du coup, si je bouge le bone de la voiture, et ça va tout bouger, en fait. Et du coup, pour finir simplement ce tutoriel, nous allons simplement faire la rotation des roues. Donc, comme vous pouvez le voir, si je fais une rotation en Y, la roue tourne. MDR, c'est le principe. Donc du coup, vous allez simplement faire une armature pour chaque objet. Donc vous allez cliquer sur votre rig pour voir tout l'intérieur en fait. Donc là, vous avez armature, blablabla, armature encore, et vous avez roue arrière et roue avant. Donc on va commencer par les roues avant. Et vous avez avant gauche et avant droite, je sais pas pourquoi il est là-dedans. Donc vous allez simplement retourner en object mode. Vous allez dans armature et on va faire la roue, cette roue, donc celle à gauche avant. Rotation Y 90. On va scroll. Comme ça, ça me paraît bien. GX. Z. Rotation. Ah oui, c'est très important aussi, je veux dire, quand vous faites la rotation du spawn pour bouger tout simplement la roue correctement, vous devez faire rotation Z et 90 pour que le spawn tourne sur lui-même en fait. Et pas qu'il tourne comme ça et que ça fasse le tour de la voiture en fait. Tac. Et on va faire le lien de parenté. Donc parent spawn. C'est ça, parent object et tac parent object. Et si je fais la rotation bon, ok, rotation C, non, rotation Y, voilà, du coup ça vous fait bouger votre en fait. Je sais pas pourquoi ça bouge aussi l'autre, c'est un problème de fabrication. En fait, vous n'avez pas besoin de bone, vous avez juste à sélectionner la roue et à rotationner. Je vais remettre à 0 pour éviter que l'armature se balade. Tac, voilà. Donc, si vous voulez bouger vos voitures, vous sélectionnez tous les ronds en fait. Tac. Donc, on va faire une petite animation rapidement. Tac, vous cliquez sur ce petit bouton pour que ça enregistre dès que vous bougez. Donc, enfin non, vous devez faire roue par roue, je crois. Donc, j'ai tout sélectionné comme ça, on aura chacune roue aura une base. Rotation Z, non, rotation, bah, bien juste R et clic gauche pour pas les bouger. Ici, par exemple, je vais en 20, on va faire chaque roue. Tac. Rotation Z, non, rotation Y, tac, tac, tac. Et vous allez faire la même chose pour les roues de derrière. Et là, du coup, ça vous fait une petite animation. Donc, on va aussi avancer la voiture. Donc, vous sélectionnez l'armature juste ici. Vous faites G, clic gauche direct pour mettre la position à 0. Et à 20, la voiture va avancer. Tac. Ça vous fait une petite animation en fait. On va mettre une petite transition. Tac.
Tac. Et du coup, ça vous fait une petite animation de voiture rapide. On va aussi prendre ça. Tac. Ensuite, quand ça fait ça, ça passe là. Donc, on sélectionne ça. Et ici, et on va continuer d'avancer la voiture. Donc, ça peut supprimer. Et à 50, elle arrive ici. Et ça vous fait une petite animation comme ça. Donc, si je passe en render, mais il n'y aura pas de lumière, donc ça va faire bizarre. Mais ça vous donne une petite animation fort sympathique. Et donc, du coup, si vous voulez colorer les routes simplement, donc rien de bien particulier, donc je vais supprimer l'animation. Tac. Et je supprime l'animation des roues. Tac. Et tac. Supprimer. Ok, du coup, pour colorer les roues, vous sélectionnez toutes les roues. Enfin, vous faites une texture à chaque fois, en fait. Donc, qui est plus, tac, on va faire une couleur noire. Et vous faites la même chose pour chaque roue, en fait. Tac. Tac, et si je mets dans matériel, du coup, ça vous fait des roues en noir. Et du coup, là, vous avez tout simplement fini votre rig de voiture. Donc, voilà, c'est tout pour ce petit live, donc tutoriel pour tout simplement créer votre voiture. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, en tout cas, si vous avez plu, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire ou tout simplement me partager vos créations de voitures sur mon Discord. Donc, le lien est dans les à propos de ma chaîne si vous voulez le rejoindre et que c'est pas déjà fait. Donc, c'est écrit par Saint-Sauvin. Merci à tous de m'avoir suivi et à plus.